Voilà. Et Dieu nous a prévenus sur ça. Dieu nous a prévenus. Marduk dira a peur de la loi Ma'at. Donc c'est ça qui trahit Osep Nefer. Et tout qu'il a trahi, c'est que on sait très bien que quand Osep Nefer elle parle de ce monde-là. C'est de ce monde-là. Elle ne peut pas parler de la vie parce qu'elle n'est pas la vie. Et on a constaté que de tout ce qu'elle parle, elle parle de ce monde-là. Quand elle dit Christ, elle définit qu'elle parle de la politique. Quand elle dit Christ, elle définit qu'elle parle de la religion. Vous avez compris sur ça. Et c'est ça qui l'a trahi et qui contredit énormément Osep Nefer. Parce que là, Dieu nous a prévenus et c'est ce qu'on voit sur Internet. On a vu la manipulation d'Osep Nefer, de tout ce qu'elle a préparé. En réalité, elle fait que ces démons, qui est elle-même, donc ce sont des clones, vont contre le nom Aset, et là on voit qu'ils vont contre le nom Ma'at, donc la loi Ma'at. Vous avez compris sur ça? C'est ça qu'on voit sur Internet. Le 26 mai 2020. Et là, elle montre qui elle est, qu'elle est le dragon, et qu'elle sait la vérité sur la loi Ma'at. Vous avez compris sur ça? Le 26 mai 2020, le dragon, regardez, Dieu nous a prévenus sur ça. Le dragon sait sur la loi Ma'at. Donc, on voit d'autres qui font des vidéos, vous avez compris sur ça. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'ils maudissent le nom Ma'at. Et ils maudissent la loi Ma'at de Dieu. Vous avez compris sur ça. Parce que l'Égypte n'a aucun lien avec la loi Ma'at. La loi Ma'at n'a aucun lien avec l'Afrique. Et c'est ça qui trahit énormément Osep Nefer de tout ce qu'elle fait. Et vous avez compris que c'est elle-même qui a créé ce scénario. Et qu'elle fait croire qu'elle serait attaquée. Vous avez compris sur ça.